Toujours avec Manix au carnaval de Lausanne pour l'organisation. Ça se passe bien au niveau de l'organisation? Alors là, on est lundi, donc c'est le montage de la cantine, comme vous avez pu le constater. Donc tout va bien, on n'a pas eu de pluie aujourd'hui, touchant du bois. Mais on n'en aura pas cette semaine? J'espère. Donc tout va bien, j'ai un comité qui est extrêmement motivé, qui est un peu barjo, parce que pour faire partie d'un comité de carnaval, il faut quand même être barjo. Il faut avoir du temps. Et puis ils sont là, ils sont disponibles. Donc tout roule. Comme j'ai dit avant, on n'attend plus que le soleil. Merci à toi, Manix. Merci Didier pour ce soutien et ta gentillesse tout au long de ces années passées. Et je continuerai d'être là avec vous et je te propose même des émissions directes déjà pour cette 29e édition du Carnaval de Lausanne. J'attends juste le feu vert du président du Carnaval de Lausanne. Ah, le feu vert, il n'y a pas de problème. J'espère que ça sera un feu jaune. Ça sera le feu du soleil. Donc, pas de problème. La porte est grande ouverte depuis jeudi de l'auto jusqu'à dimanche soir à 23h. Voilà, Radio Ouest au cœur de l'actualité pour cette 29e édition du Carnaval de Lausanne. On redonne l'adresse internet de www.carnavallausanne.ch. Est-ce qu'on a un numéro de téléphone par hasard? Oui, le mien, 079 240 58 65. Une charmante voix qui vous répond. Oui, c'est pour ça d'ailleurs. Il avait compris mon humour. J'ai anticipé. Quelle est la voix? Non, parce que c'est la première chose que j'ai entendue quand tu es arrivé sur la place centrale. T'as entendu quoi? Ma sonnerie du téléphone. La sonnerie du téléphone. Aïe, 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 aïe.